Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le modificateur de type display qui se situe ici. Donc le modifieur de type display a pour fonction de modifier la structure en fait d'un objet par rapport à une texture. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc je vais faire un CTRL 4 afin de subdiviser l'objet. Je vais appliquer cette subdivision. Je vais maintenant ajouter un modificateur de type Displace. Je vais ajouter une nouvelle texture, donc ici le petit dernier pour les textures. Et je vais ajouter une texture de type Cloud, qui est une des textures de base, comme vous le voyez. Cela crée en fait, comme son nom l'indique, Cloud en anglais qui veut dire nuage, crée des nuages. Comme ceci. Donc maintenant je vais appliquer en fait cette texture à mon objet, mais pas la mettre sur le dessus de l'objet. Si on se met ici dans les matériaux, vous voyez que ma texture de type cloud est appliquée à l'objet. Donc pour qu'elle ne soit pas appliquée, je vais la décocher. Vous voyez qu'ici maintenant elle n'est plus appliquée. Puisque ma texture, cette texture n'aura qu'un seul et unique but, ce sera de modifier cet objet. Donc je vais retourner dans le modificateur du type Displace, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Texture. Et vous voyez que la texture a modifié considérablement mon objet. Donc après, nous pouvons modifier la force de cette modification. Et comme vous pouvez le voir ici, les faces sont assez angulaires. Donc vous pouvez rajouter un niveau de subdivision, par exemple en faisant CTRL plus 3, pour ajouter un niveau de subdivision différent. Donc voilà, c'est tout pour cette description succincte de ce modificateur de type Displace. Juste en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir accéder à une page en rentrant votre nom et votre adresse email. Vous allez pouvoir accéder à une page dans laquelle je développe je donne une application concrète en fait à ce modificateur de type Displace. Donc je vous ai juste à rentrer votre nom et votre email en dessous, et puis très bientôt pour un prochain tutoriel.